Hôpital des districts de Deido, ce 17 avril 2017. L'ambiance est celle des jours ordinaires. Les personnels soignants sont en poste. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations. Pour l'instant, de ce que j'ai pu constater, tous les médecins sont en place et ils travaillent. Mais ils font leur travail en se posant quand même des questions. Voilà, mais le travail est fait. Les patients qui ont sollicité les services des médecins de cet hôpital ont été reçus, disent-ils. Oui, je suis arrivée à l'hôpital à 10h30, j'ai été reçue et je suis en train de rentrer à la maison. Je suis satisfaite. On est arrivé parce que j'ai ma fille là qui est drépano, donc elle a eu ses crises. On est arrivé depuis 8h45 et nous on ne savait pas, dès qu'on est arrivé ici, ils nous ont dit qu'ils sont en grève et finalement ils nous ont reçus. Pareil constat à l'hôpital des districts de Lokbaba. À l'hôpital Lakentini de Douala, même si on a noté une lenteur dans le service, notamment au niveau de la pharmacie. Voilà la pharmacie qui est vide. Il n'y a plus que nous sommes là. On est là depuis aujourd'hui, c'est vide. Tout est déjà payé de mai. La présence des patients montre que les médecins travaillent. Ce matin, j'ai trouvé un hôpital fonctionnel. J'ai personnellement fait le tour pour voir l'état de fonctionnement du corps de métier qui s'appelle les médecins. Les médecins sont là, ils vaquent normalement à leurs occupations. J'ai vu les secteurs d'hospitalisation, de consultation, les blocs opératoires, les urgences, tout est en fonctionnement. De façon globale, c'est un mouvement de grève qui n'a pas été totalement suivi, car les médecins rencontrés semblaient ne pas revendiquer l'appartenance à ce syndicat. Personnellement, je n'ai pas connaissance de ce syndicat, puisque la première fois que j'ai eu un plan de connaissance dans les réseaux sociaux, j'ai reçu un message WhatsApp. Pour moi, en tant que directeur de Lakentini, il ne peut y avoir de grève que si les membres du syndicat s'en revendiquent. Au jour d'aujourd'hui, aucun de mes médecins n'a revendiqué l'appartenance à ce syndicat. Par contre, Dr Kamta Claude, vice-président du CIMEC, nous dira que la grève est en cours dans les hôpitaux et que le mouvement se déroule dans le strict respect des consignes. On ne disait pas que les médecins ne devaient pas être prudents sur le travail. C'est une grève qui est bien, nous sommes des responsables. Nous n'abandonnons pas les malades. Les médecins sont à leur poste à l'hôpital, mais ils ne font pas de consultations qui ne sont pas des consultations d'urgence. L'adhésion, c'est une apparence. Les gens sont présents, mais vous avez l'impression qu'ils sont à 100% dans leur rôle, mais c'est faux. À leur poste, mais ils ne font pas le rendement qu'il faut. Précisons néanmoins que les hôpitaux restent ouverts et les médecins en poste au service des populations.